Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan de mes dernières lectures. Donc il y a Turgenev, Oscar Wilde et Friedrich Dürrenmatt. Donc j'ai pas ma petite feuille pour Oscar Wilde, c'est embêtant, mais j'espère que je vais retrouver la citation que j'ai recueillie. Il me semble qu'elle est là, mais je crois pas en fait. Oh non. Attendez, hein, je vais retrouver ça. Ah. Je pense qu'elle est là. Voilà. Mais seuls les paradoxes nous conduisent à la vérité. Pour éprouver la réalité, il faut la mettre à l'épreuve sur la corde raide. On ne peut juger les vérités que sur leurs acrobaties. Et ça, j'ai trop adoré. Donc, c'est aucun des protagonistes principaux qui a dit ça, mais j'ai relevé. Donc, dans le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, il y a trois personnages principaux. Il y a Basil qui est le peintre, qui va peindre le portrait de Dorian Gray. Il y a Dorian Gray qui est un jeune homme très beau, mais très vide à l'intérieur. Et il y a Lord Henry qui est un genre d'érudit ou le diable, on sait pas trop. Moi je pencherais plus pour le diable. Et en gros, Basil donc s'extasie devant la beauté de Dorian Gray. C'est un peu sa muse quoi. Il a beaucoup d'inspiration depuis. Qu'il le connaît. Lord Henry demande à Basil de lui présenter ce fameux Dorian Gray et Basil émet quelques doutes. Il lui dit non, j'ai pas envie que tu lui mettes des idées dans la tête. J'ai pas envie que tu le, en gros que tu le, qu'il soit perverti quoi. Il est tellement pur, tellement neutre parce qu'il y a rien. Et du coup, Lord Henry va quand même rencontrer Dorian Gray et va commencer à lui parler de la vie, un peu philosopher, sauf que Dorian Gray, il n'y a rien dans sa tête, donc dès qu'il va entendre une vérité, tout de suite elle va lui faire écho en lui, et il va agir parce qu'il n'a pas matière à faire sa propre réflexion, en fait. Donc en gros, Lord Henry est le tentateur d'Oscar Wilde, pour moi. Du coup, j'ai bien aimé le personnage de Lord Henry. Il m'a fait penser d'ailleurs à Henry dans... Le maître des illusions de Donnatarte. Donc Henri dans le maître des illusions de Donnatarte, pour moi, c'est un sociopathe, un psychopathe même. Et là, c'est pas que c'est un psychopathe, mais c'est que c'est un manipulateur. Il sait très bien que ce qu'il va dire à Dorian aura un impact. D'ailleurs, il y a une scène, donc je vais pas vous spoiler, mais il y a une scène où Lord Henri se présente à Dorian Gray et lui dit « Ah, mais vous ne savez donc pas la nouvelle ?» Et c'est là que j'ai relevé, je me suis dit « Mais en fait, oui, c'est un manipulateur, il attend que ça, en fait. » Donc voilà, j'ai adoré ce bouquin, ça fait partie de mes bouquins préférés, du coup maintenant c'est sûr pourquoi j'ai attendu de le lire en fait. D'ailleurs, il y avait une amie au lycée qui me saoulait pour que je lise, mais j'ai pas voulu, j'en ai fait qu'à ma tête. Et je regrette pas parce qu'en fait, j'aurais pas capté, genre le Satyricon de Pétrone, j'aurais pas relevé. Huysmans, donc c'est à rebours que je dois lire, le livre dont Dorian Gray dit vous auriez jamais dû me le faire lire, c'est lui la cause de toutes mes souffrances, etc. Et ben c'est à rebours de Huysmans, du coup j'ai envie de le lire. Et du coup j'ai trouvé là hier Là-bas de Huysmans. Donc je sais pas si j'attends ou si j'attends pas, mais ça a l'air trop intéressant. Bref, donc voilà, c'est une histoire. Oui d'ailleurs pour moi, Basile, c'est le peintre qui a peint le portrait de Dorian Gray, mais Lord Henry, c'est le peintre qui a peint le mental de Dorian Gray en fait, pour moi. Donc voilà, j'ai adoré. Après, il y a deux, trois passages qui sont un peu longués quand même, mais c'est très court, hein, c'est limite une fable en fait. Donc voilà, j'adore. Ensuite, de Friedrich Dürrenmatt, La visite de la vieille dame. Je vous en avais parlé l'autre fois, je vous avais dit, oh là là, c'est 18 assurés, de sûr, ça va trop être bien et tout. En fait, je n'avais pas capté, mais c'est une pièce de théâtre. Bon, j'ai rien contre le théâtre, donc voilà. En trois actes, très rapides. Trop rapide en fait. Tout est. Enfin, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune belle citation. Voilà, en gros, donc c'est une vieille dame qui revient dans son village natal. Elle est milliardaire, multimilliardaire, enfin bref, elle est riche à mort quoi. Et son village est en pleine dette. La mairie est endettée, les villageois sont au chômage, tout. Et voilà, dans la dèche quoi. Et donc elle arrive là-bas, elle dit voilà, moi je vous propose de vous donner 50 milliards pour la ville et 50 milliards à vous partager entre vous. Le seul truc que je veux, c'est que vous. C'est de tuer en fait son premier amour qui lui a mis à l'envers. Après, elle explique plus tard dans la pièce qu'est-ce qu'il lui a fait en fait. Et voilà, et du coup, bah, la problématique c'est est-ce que les gens vont céder la tentation? Voilà, et bon, sans surprise, hein. Et sinon, j'ai lu aussi de Turgenev. Merci Google de m'avoir permis d'apprendre que V
en russe, ça se dit F. Donc, premier amour. D'ailleurs, Tourguenev, je pense lire, enfin, je ne sais même pas si c'est sorti, mais je pense que si, ses correspondances, parce qu'il a correspondu avec pas mal de beaux mondes, notamment Flaubert, Tolstoï, il s'est brouillé avec Tolstoï, il s'est brouillé avec Dostoïevski, je ne sais pas si je le dis bien, c'est pas grave. Bref, plein d'autres noms, en fait, j'ai envie de voir leurs correspondances. Hein. Donc, Tourguenev, premier amour, en fait, je vous avais dit, oh, je crois que c'était une pièce de théâtre, mais en fait, je confonds avec Tchekhov. Donc du coup, premier amour, l'histoire en fait, bah, c'est deux amis qui sont en train de passer une soirée, ils ont envie de se raconter des anecdotes, notamment sur leur premier amour, mais il n'y en a qu'un qui a une anecdote à leur raconter, donc ils racontent. Voilà, et on suit bah, l'histoire de son premier amour. Donc la moitié du roman, j'étais là genre putain, pardon pour le putain, j'étais là ouais, c'est pas sensationnel quoi. Mais au final, après avoir terminé le bouquin, je me suis dit ouais c'est vrai que c'est... C'est le premier amour, dans le sens, je sais pas si vous pensez comme ça, mais pour moi, je pense comme ça, c'est que le premier amour, bah, en fait, c'est amour, c'est ce qui n'a pas été accompli, en fait. Voilà. Genre, t'es marié, t'as des enfants, je vais pas dire que c'est pas de l'amour. C'est une autre forme d'amour, mais le vrai amour, la passion, tout ça, ça peut jamais être accompli, quoi. Donc, c'est ça qui fait que ça reste dans les souvenirs et que c'est le premier amour, enfin bref. Ouais, donc j'ai apprécié, mais j'ai pas non plus adoré. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est mes trois dernières lectures. Je vous avais dit que j'allais commencer, bah, suite à Dorian Gray, La peau de chagrin de Balzac. Mais entre-temps, bah, j'ai lu ces deux-là, et j'en ai commencé un autre. Et aussi, bah, Paulo Coelho, son sa biographie, là. Je vous avais parlé donc de l'oiseau et tout ça, mais là, c'est encore un autre level, hein, c'est mon Dieu. Mon Dieu, oui, le terme est bien utilisé, là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine pour mes prochaines lectures. Tchuss !